Effectivement, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Edouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à recevoir à la télévision, et à mon avis, pas seulement pour de mauvaises raisons. Dans le cas de Tariq Ramadan et de Marc-Edouard Nab, ils ont fait à peu près toutes les émissions imaginables, l'un en tant qu'intellectuel et l'autre en tant qu'écrivain. Moi, j'ai pas envie d'inviter Tariq Ramadan. Mais libre à vous de ne pas le faire. Je vous le dis. Non, vous dites, il fait et du coup, il y a Patrick qui profite. Il fait toutes les émissions. Vous dites, non, il ne fait pas toutes les émissions. Oui, d'accord. Mais enfin, vous faites une émission, vous faites le journal. Vous ne faites pas une émission de débat intellectuel. L'avantage, c'est d'avoir chacun la scène et moi, le chercheur qui ouvre. Sur ce sujet, j'ai toujours été clair et j'ai toujours fait ça partout, y compris sur les stations de radio que nous avons fréquentées tous les deux. Pour moi, il n'y a pas de liste noire. Il n'y a pas d'invité que je refuse d'inviter par principe parce que je ne l'aime pas. Voilà, je me l'interdis. Je suis sur le service public, c'est pas à moi d'inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Mais... Voilà, c'est tout. Mais c'est pas seulement une question de sympathie ou d'antipathie. Vous avez une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Libre à vous de le penser. Les gens qui pensent que... Non, c'est pas un jugement. Les gens qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune, que le 11 septembre n'a pas existé, ou que les chambres à gaz... Mais ils ont le droit de... Peut-être Soral, c'est à lui que vous faites allusion. Sur le 11 septembre, enfin bon, bref, c'est un débat éternel, on ne sera jamais d'accord sur ce sujet. J'anime une émission de service public. Si j'étais sur Fox News, je serais comme vous, je déciderais que les gens qui regardent Fox News vont entendre un certain son de cloche et je le privilégierais. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, Patrick. Non. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, Patrick. On a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans les limites de la loi. En l'occurrence, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Alessandra, le négationnisme, c'est quelque chose. J'ai jamais entendu le CSA taper sur Frédéric Tadei. Non, mais Patrick, on a l'impression que là, qu'il y a des gens qui viennent dans mon émission pour dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ça n'est jamais arrivé. Je dis qu'il y a des. Complotistes, vous savez ce que c'est, les complotistes, les conspirationnistes, et que le complotisme, ça finit généralement. Vous avez l'habitude de ce genre de débat. Non, mais c'est très marrant parce que sur ce sujet, j'ai eu à m'expliquer, et je me suis expliqué, et je crois que les gens ont été assez convaincus, tant qu'il n'y aura pas une loi en France, et vous pouvez écrire à votre député, si vous voulez que les gens ne puissent plus dire qu'ils doutent de ce qu'ils appellent la version officielle du 11 septembre. Si vous voulez qu'ils n'aient plus le droit de le dire... Ils ont le droit de le dire. Si vous n'avez jamais vu Ce soir ou jamais, c'est aussi comme ça que ça se passe. Il fait allusion à un truc avec Mathieu Kassovitz un jour qui a dit qu'il avait des doutes sur le 11 septembre. Il y avait des gens en face de lui qui lui ont dit qu'il était fou. Le débat a eu lieu, point terminé. Si je disais là... Si je le disais là, j'ai des doutes sur le fait que Lee Harvey Oswald était le seul tireur le jour de l'assassinat de Kennedy. Mmh. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'accusez de négationnisme et vous me faites arrêter par la police? Évidemment pas. Quelle différence? Vous dites simplement que toutes les opinions se valent et qu'on peut entendre absolument toutes les opinions. Toutes les opinions autorisées par la loi et en France sont défendues par la Constitution. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et ça n'est pas moi, animateur de télévision, qui vais décider de ce que l'on a le droit de dire. Il y a des livres qui paraissent, des films qui sortent. Vous avez le droit de faire le tri. C'est votre responsabilité. Je dis simplement qu'on a une responsabilité. C'est la vôtre. Moi, la mienne, c'est de vous faire... Vous avez une responsabilité aussi. Absolument. Chacun voit midi à sa porte, c'est à peu près ça. Ma responsabilité, c'est qu'en tant qu'animateur d'une émission de débat sur le service public, je m'interdis d'être le procureur ou le défenseur des uns et des autres, et surtout de censurer qui que ce soit, sur quelque sujet que ce soit, à partir du moment où il respecte la loi. Jamais il y a eu le moindre problème dans Ce soir ou jamais, y compris avec les gens que vous avez cités. Je parle de Dieudonné et d'Alain Soral, qui sont dans des positions un peu spéciales. Je ne parle pas du tout ni de Marc-Edouard Nab, ni de Tariq Ramadan, qui sont invités partout.
jamais il y a eu le moindre problème dans Ce Soir ou Jamais, y compris avec les gens que vous avez cités. Je parle de Dieudonné et d'Alain Soral, qui sont dans des positions un peu spéciales. Je ne parle pas du tout ni de Marc Edouard ni de Tariq Ramadan, qui sont invités partout. Moi, je vous propose d'inviter Patrick Cohen la prochaine fois dans votre émission. Vous voulez que je vous fasse la liste d'un certain nombre de ministres qui ont été condamnés, y compris pour racisme? Ça ne vous a pas empêché de les inviter dans votre émission de radio le lendemain? Pas beaucoup. Ah oui, vous les considérez de nous. Vous les avez invités le lendemain, ça ne vous a pas gêné? Bon, voilà, parce qu'il se trouve que c'était des ministres ou des élus de la République. Point. Mais encore une fois, en 657 émissions, il n'y a jamais eu le moindre propos tenu sur ce plateau qui non seulement ait pu donner l'occasion à des plaintes, mais où moi, je sois obligé de dire à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de dire ça, quittez ce plateau, ce que j'aurais fait si ça avait été nécessaire. Jamais.